Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue sur la team MG Spoke. On se rappelle plus du nom de la chaîne YouTube. MG Spoke. Pour une vidéo. Ouais. Une nouvelle vidéo, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de couverture de cartes. Sponsorisée par le Japon. Ouais, exactement. Merci. C'est ça. Merci Togishabu NHPKB. Allez, c'est parti mon kiki. Aujourd'hui, on se retrouve pour... Pourquoi Gab? Pour une ouverture d'un coffret célébration, mais qui n'est pas en français ni en japonais, qui est en... En American. Oh, en anglais. En anglais. Speak English. Donc c'est la version des 25 ans de Pokémon. Donc voilà, ils ont sorti plusieurs packs, plusieurs coffrets. Là, on a le TB, donc qui contient 10 boosters de 4 cartes, malheureusement pas 10. Et c'est en fait des reprints de cartes vraiment mythiques, comme le fameux Dracaufeu, Florizarre et Tortank. Ouais, de la première génération. Du set de base, voilà. Ah, donc, on espère avoir le Dracaufeu, voilà. On est chaud, quoi. De toute façon, on va ouvrir ça et je pense qu'il y aura le petit catalogue avec justement les cartes qu'on peut avoir. Dans les ETB, qu'on trouve dans les ETB, du coup. Exactement. Exceptionnel. Donc, pour ce faire, on a un petit outil sympathique pour l'ouverture. De l'ETB, on va laisser Gap faire. Tournevis plat. Un tournevis plat. C'est hyper simple, vous faites juste ça, monsieur. Regardez, vous prenez juste ça là. Sans abîmer l'ETB, évidemment. Comme ça sur le côté. Donc, on met un coup d'ongle là-dedans. Là. Voilà, tout à fait. Donc, on remercie quand même Cards Hunter, donc, le youtubeur très célèbre. Cards Hunter qui mettait en vente cette ETB et ses ETB et plusieurs packs sur son site directement. Donc, on l'a acheté directement dessus. Magnifique. Magnifique. Malheureusement, c'est pas la version en français, mais bon, la version américaine est aussi mythique. Et on connaît à peu près le nom des Pokémon, donc Dracaufeu, Charizard, etc., etc. Donc, on va s'ouvrir ça tout de suite. Let's go! C'est parti! Alors, d'ailleurs, on retrouve quoi, vous, comme information? Tout à fait. Ça, c'est plus de 6 ans, par contre. Hein. Voilà. Les moins de 6 ans, c'est pour nous. Donc, comme d'habitude, on a tout ce qui contient l'ETB. Tout ce qui est dans l'ETB. Donc, les 10 boosters ici, les cartes énergie. Des trucs pour ranger. Je me rappelle plus du nom. Des pochettes. Pardon. Voilà, exactement. Des pochettes qu'on avait dans les autres TB qu'on a retrouvées ici. Des sleeves. Yes, à l'effigie de l'édition 25 ans Pokémon. Yes, man. Avec yes. Le petit Pikachu. Yes, man, yes. Et le petit catalogue. Excellent. Et normalement, on a une carte promotion. Ah, c'est quoi? Je suis bête, en fait, c'est marqué, tout est marqué ici. C'est quoi la carte promo? Je sais pas s'il y a une carte promo, on va le découvrir. Ah, peut-être. Qu'est-ce que c'est? C'est un Pokémon... plus sa mère. Une nouvelle génération. Donc, on peut glisser directement en mettant le WAD ici. Hop. Et en tenant sur le Teco. T'as vu? Hi. Et là, t'arrives sur le catalogue directement. Train 1. Bon, déjà, est-ce que c'est une copie ou pas? Non, pas du tout. C'est Legging. It's official. Vu la qualité de l'impression, ça m'étonnerait que ce soit défaut. Voilà, exactement. Welcome to the Pokémon TCG. Celebration Elite Trainer Box. Yes. Donc bienvenue dans l'univers des Trading Card Pokémon. Aïe. Donc là on arrive directement avec toutes les cartes potentiellement obtenables dans cette ETB. D'ailleurs moi cette édition même. Il n'y en a qu'une seule qui m'attire physiquement. Ouais, bah les Pokémon de première génération. Voilà, exactement. Donc le Pikachu, le Charizard. Le Charizard, moi j'aime bien Mewtwo, Rayquaza pas mal aussi. Hein. Rayquaza aussi. Donc ça, je pense que c'est peut-être ça la carte promo. Carte promo, ouais, c'est... Ouais, il y a marqué, il y a la petite étoile promo. Greninja. Ouais, c'est l'évolution, c'est un des starters mythiques ou non. Voilà. On a, regarde, on a des petits légendaires, on a... Le Rayquaza qu'on a d'ailleurs sur Amazing. Le... Amazing. Bah attends, c'est le Rayquaza qu'on retrouve sur quelle édition? Ah, je sais plus. Ah, c'est pas Voltage Éclatant? Si, c'est Voltage Éclatant. Ouais, Amazing. On a des Pikachu super drôles. Agogo. Voilà. Des gros. Agogo. Le professeur Chen. On a le Mew, le petit Mew. Le professeur Chen recherche. Voilà. Ouh, c'est pas mal, les petits Pikachu. On dirait qu'il fume une cigarette, hein. Une pipe. Ouais. Alors, du coup, après, qu'est-ce qu'on retrouve? On a du Ho-Ho ici. On a quoi d'autre? On a des cartes pas mal. On a des légendaires. On a quoi d'autre? Ah, c'est ça, c'est le trio de choc qui nous intéresse. Les quatre, et même moi j'aime beaucoup le Lugia parce que j'ai Lugia, il y a le. Oh, Léviator, la Team Rocket. On a ici l'Élector. Wow. On a le Magikarp pareil, super mythique. Et le Pikachu de. Le Noctali ici, très sympa. Le Mew qui ici, très sympa. Magnifique. Et enfin, on a après voilà des belles cartes aussi. Hein. Même si nous, l'objectif, c'est au moins d'avoir une des trois, des trois starters. Ce serait pas mal. On va s'ouvrir ça. De toute façon, il y a 40 cartes. Ah bah ça va aller hyper vite. Allez, let's go. C'est parti. J'en ai marre de dire let's go parce que ça fait gros. Let's go. Donc allez. Voilà.
Ça, c'est l'intérieur, c'est assez bien rangé généralement. Voilà, là, vous soulevez ceci et on arrive sur ce business. Oula, c'est quoi ça? Attends, c'est bizarre. Elles sont pas les mêmes couleurs? Ah non, c'est ce qui a marqué en fait derrière. Mmh. On peut avoir des autres paquets en fait. On n'a pas que du. Ah oui, effectivement. J'ai vu ça derrière en fait. Donc tout ce qu'on a dit, c'est des conneries. On a du style de combat aussi. Du Reine de glace. Voltage éclatant. Voltage éclatant et ténèbres embrasées. Et. Ténèbres embrasées. Voilà. Et du coup, on a. Ah, on a 10, on en a 10. Mais ça vaut le coup alors. En fait, on a beaucoup de boosters, je suis une merde en fait. Non mais je t'ai dit. Tu crois malade. Tu sais, ça vaut le coup d'acheter peut-être. Donc ça. En fait, on a 15 boosters en tout. Voilà, oui. 10 boosters célébration et 5 boosters additionnels. Allez, oh là là, ça part en couille. Ça part en couille. Vas-y, moi. Donc ce qu'on va faire déjà, on va regarder la carte promotion qui est juste ici. Oh, elle est plus jolie justement En vrai, quoi. Bah, c'est une holo. Voilà. Et elle est cadrée holo. Comment? Il est assez bizarre, le jaune. Il est vachement clair. Peut-être c'est parce que c'est en anglais. Ouais, je pense. Elle est un peu mal cadrée ici, mais bon, ça, on verra après, de toute façon. Ensuite, on a les fameux... Les fameux sleeves. Ouais. Bon, bref, on peut utiliser dans cette vidéo. Bien sûr. Donc, je range les miennes. Exactement, Patrick. Allez, c'est parti. Voilà. On va mettre ça ici. On va ranger un petit peu. Alors, comment on s'organise? Est-ce qu'on va en prendre 5 chacun déjà? Je te laisse choisir. Moi, je prends 1, 2. Voilà. 3. Exactement. 4. Mm-hmm. Et 5. Allez. On commence par celle-ci, du coup. Et les autres, on les ouvre pas. Si, si, on peut ouvrir le reste. On ouvrira après le reste. Voilà. On va garder ça. Nous, ce qui nous intéresse. Alors, attends, la meilleure carte, où est-ce qu'elle se situe dans le paquet? Parce que c'est important de le souligner. Elles sont toutes bien. Elles sont toutes bien. Ouais, on va ouvrir comme ça, on va pas mettre d'ordre, on va y aller direct. Franco, quoi. Franco, let's go. Franco, Franck Ribéry, quoi. Oula. On commence tout de suite. Alors, let's go. Let's go. Let's go. Un petit Palkia. Ouais. Oh. Reshiram. Donc là, on a que du holographique, hein. Mais les cartes sont plutôt... Et je vois une belle carte derrière pour l'instant. Cosmog, et là on soulève petite. Ah non, mais j'ai une connerie, il y a 5 cartes ou quoi? Non, il y a. Ah si, si non, si. C'est la. Ah ouais, c'est le. Oh là là, Pikachu. Pikachu, ça commence bien. Qui est très, belle. Très jolie. Et on l'est bien cadré en plus, hein. On la range. Ça part chez PCA. Et ça revient dans un an. Autant l'envoyer en Afrique, hein. On vous donne le petit code promotion, hein, qui fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, parce que. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo et c'est vrai que ça manquait. On a eu quelques événements familiaux. Exactement. Pour vous, ça fait peut-être un mois qu'on n'a pas pu de vidéo, mais nous, ça doit faire peut-être 3-4 mois, hein, qu'on n'a pas fait de vidéo. Ouais, excellent, elle est belle. Oh, magnifique. Franchement, elle est magnifique. C'était la première que je voulais avoir. Donc l'ultime, la plus rare est derrière, du coup. Bah, donc ça, c'est bien, on n'a pas normalement, besoin de... Ouais. Normalement, oui. Et c'est à moi. Et c'est ce qu'on va remarquer tout de suite. C'est à moi. C'est oui. Galère. C'est super oui. Galère. C'est super galère. Nico Mook. Oh. Oh, pardon. T'as ouvert par en bas ou par en haut, toi? Par en haut. Ah ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert. Hein. Oh là là, magnifique. On commence avec un Yveltal. Yveltal. Ouais. Yveltal. Yveltal. Yveltal en holographique. Qui est très joli d'ailleurs. Dialga. Donc là pour l'instant on n'a pas de doublon. Hein. Non, pour l'instant ça va. Oh là 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 là. Le Noctali. Oh magnifique. Oh là 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 là. Le Noctali. Ah là là. Et c'est la deuxième que j'ai voulu en plus. Oh il est beau. Il est archi mal cadré, mais vous il est beau. Vous pouvez zoomer s'il vous plaît, monsieur. À la caméra. Waouh. Regardez, petit effet. Donc ça, c'était une carte star, ils appelaient ça à l'époque. En fait, c'est les Pokémon en shiny. Donc normalement, il a les taches comme ça jaunes. Là, elles sont en bleu, dans la version shiny. Ah, très belle carte. Ah, donc un peu mal cadré, hein, ici, c'est beaucoup plus large. Mais bon, elle est là en bon état quand même, donc on emballe. Pardon. On emballe direct. Ah, il y a le souffleur qui s'est mis en route. Oui, effectivement, nous sommes dans des situations... Dans une soufflerie. Dans une usine. J'espère que vous entendez correctement, parce que c'est vrai qu'avec le souffle, à mon avis, on va entendre la soufflerie. Ouais. Est-ce qu'il ne vaut pas qu'on la coupe? Ce serait idéal. Ça
Ce serait idéal. Donc on a un Zamazenta aussi en V, hein, qui est pas mal, hein, qui fait plaisir à voir. Ouais. Mais déjà, rien que d'avoir que des holographiques, je trouve que c'est pas mal, hein, ça fait plaisir. Zamazenta, moi je suis pas fan. Hein. Ouais, il est dégueulasse. Bah après, faut aimer les dernières générations, hein, c'est Pokémon Bouclier. J'ouvre. Allez-y. Oh là là, pareil. Ah mais elle est, celle-ci, par contre, elle est jolie. Pas de doublon. Tu vois, je suis pas fan. Mais elle est jolie. Mais elle est, graphiquement parlant, elle est hyper bien faite. C'est de l'art, quoi. C'est de l'art contemporain. On est sur un artiste. Yveltal, en doublon. Oh là là, c'est quoi? Oh, c'est quoi? Je sais même pas ce que c'est. Oh là là, elle est belle. Elle est belle. Oh, elle est magnifique. L'effet, là, les petits points comme ça. Et là, ça doit être... Ah, bah, Zamazenta. Elle est pour Watt. Merci beaucoup. Oh, elle est belle. Elle est sympa, hein. Elle est magnifique. Franchement. Elles sont magnifiques. Les cartes sont ça hyper... fait plaisir. Ouais. En fait, ça fait plaisir d'avoir des cartes... Déjà, malgré le fait qu'il n'y ait que 4 cartes dans le booster, on s'en fiche un petit peu parce qu'on a que des cartes brillantes. Ouais. Et on a quand même un bon ratio pour l'instant. Le ratio est plutôt sympa. Et c'est que des holos, en fait. Franchement, elle est magnifique. C'est ouais, ça, non ? On a que des holographiques. Mais celle-ci, la Xerneas... Ouais, elle est vraiment jolie. Il est mignon. C'est magnifique. Franchement, si on voit un Dracaufeu, un Florizarre... Oh, voilà. Un Blastoise. Hein. Ou alors un... Ouais. Un Tortank. Ou un Tortank. Ça fait tellement plaisir. Oh là là, Kyogre. On, enchaîne sur plaisir. On enchaîne sur les légendaires. Allez, Kyogre. Dialga, qui revient. Ah. Oh, elle est belle. C'est le professeur Shen, c'est la MIF. À l'époque. Et Mew, oh là là, elle est belle aussi. Elle est belle aussi. Moi, je les mets, hein. Je les mets sous scellé. Ah ouais. Ah bah attends, elle est magnifique. Elle est super belle. Hein. Ah bah attends, la Mew, elle est magnifique aussi. Mais la Mew, elle est incroyable. Mais regardez-moi, c'est les effets holo. Ouais, c'est simple, mais si l'effet holographique est bien réalisé, franchement, ça sublime la carte à merveille. En plus, l'avantage de cette collection, c'est qu'il n'y a que 25 cartes. Sur 25, donc ah oui. C'est assez facile d'avoir... Donc pas d'avoir... de gold Non, a priori, il y a peut-être la Mew, il y a peut-être une Mew en gold, qu'on a vu dans le catalogue. Il y avait une Mew en gold, je crois. Hein, avec les Dracaufeu. Et sur... Là, regardez, il y a celle-ci, en gold. Ah ouais. Et c'est la numéro 25 en plus. C'est la 25e? Ouais. C'est ça. Je crois, hein. Bon, écoutez, on va voir, on continue. Pour l'instant, je suis assez content, même si on n'a pas sorti les starters. On est quand même content du tirage, là, pour l'instant. Et il me reste 3 boosters encore. Moi, c'est aussi, il me reste 3. Oh là 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 là. Allez. Ah, on connaît ça. Oh là là, Kyogre. On l'a déjà. Kyogre. Xerneas. Oh, oh, oh. Il est beau. Il est gracieux, le mec. Et la 24. Oh là là, professeur Shen. Recherche. Magnifique. Elle est jolie, hein. Elles sont trop belles. C'est le vrai professeur Shen. Ouais, c'est le gros sourcil, là. Mono sourcil. C'est high. Très coaché. Ouais. C'est Ah, ça rappelle des souvenirs, hein. Non, mais là, il faut un starter, c'est pas possible, on peut pas rester comme ça. Après, je sais pas honnêtement le quota, le ratio du... Oh, oh, tu protèges ou pas? Non, ça, on va pas protéger, hein. Elle est magnifique, elle. On va les mettre dans le classeur directement. Hein. Ah oui. Donc, on va ranger ça. Oh. Je ne sais pas c'est qui. C'est Cosmoem. Cosmoem, Lugia. Ah, voilà, ça, c'est magnifique. Mon préféré. Je préfère Lugia, hein. Désolé pour les teams OO. Mais il n'y a pas Articoda en fait. Palkia. Ah, je crois pas qu'il y ait les 3 oeufs. Ah. Oh, encore Professeur Shen. Mais encore une autre carte de Professeur Shen en fait. Ouais, décidément. Il y a 3 Professeur Shen. Il est tout le temps là, le mec. Il y a 3 Professeur Shen dans le jeu. Et ce qui est marrant, c'est que c'est que des cartes rares. Que des étoiles. Ah ouais. Ouais. Ah, mais c'est parce que c'est pour les 25 ans, vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais, en tout cas, si vous pouvez vous procurer une. Des cartes 25 ans, franchement, allez-y. Il y a les ETB, il y a différents coffrets aussi qui coûtent moins cher, peut-être. Ouais. Le coffret Dracaufeu aussi. Il y a un coffret Dracaufeu. Donc, franchement, foncez. Zekrom.
Dialga. Oh non. Oh, on l'a pas. Oh là là, Pikachu qui vole, il vole vers notre ciel. Flying Pikachu the Max. Ouais. Pikachu volant. Magnifique. Elle est jolie, Attends, mais c'est magnifique. Il me reste deux boosters, les amigos. Il me reste un, moi. Aïe, 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 aïe. Donc, sors un truc, là, allez. Franchement, sors un truc, Gook. Je vais pas sortir quelque chose, je viens de voir une carte. D'accord. Mais on sort, hein, depuis tout à l'heure, on débite, je trouve, là. Non, mais moi, je veux un des starters. Ça, ouais, mais ça fait tellement plaisir. Ça va être pas possible. On va Dialga, Cosmeum, Gardevoir X. Elle est jolie, hein. Et Pikachu, oh, elle est pour toi. Encore un Pikachu, ouais. Elle est pour what? En fait, c'est une commune, la Pikachu. C'est la 5, putain, Gardevoir. Oh, elle est franchement. Le petit effet là, comme ça, même avec les bordures et tout. Elle est belle. Elle est très jolie. Franchement, on dirait un tableau, en fait. Elle est hyper bien travaillée, la carte. Ouais. Ça va partir, hein, pour le gradage. On a reçu notre commande PCA. Ouais, Gab a envoyé 40 cartes, il me semble. 41 cartes, ouais. 41 cartes. Et on a reçu les cartes. Et voilà. C'est tout. Et les notes sont plutôt très satisfaisantes, à part une ou deux cartes, mais bon, c'était pas... On s'y attendait, hein. On s'y attendait. Allez, Gab, sors-nous un truc, là. Même un Florizarre, tu sais. Et un Florizarre, tu prends? Mais Florizarre, je le prends large. Et un Tortank. Mais je prends encore plus. Et Dracaufeu, ce serait l'apothéose. Ce serait le... Mais Tortank, c'est pas ton préféré? Non, je préfère Dracaufeu. Mais un des trois, ça me va déjà. Allez. Cosmog. Cosmeum. Oh là. Dialga. Non. Oh, un Pikachu. Oh Pikachu, Pikachu. Pikachu qui fait du surf. Pas mal, hein. Ouais. Mais c'est dommage, non, Gog. Il en reste un. Mais après, je pense que le... Pourquoi t'as pris en anglais? Parce que c'était moins cher. Moins cher que le français. Comment ça se revend, le français? La carte? Non, le TB. Je sais pas du tout. Je crois que là, l'anglaise, elle était dans les 80 euros, hein, il me semble. Là, le 18 décembre, on l'a vu sur Amazon à 119 euros. La française? Ouais. Et moi, je trouve, franchement, c'est pas excessif. Après, il faut voir, évidemment, dans quel but vous voulez en avoir une. Alors, Reshiram. Oh, pardon. Cosmog et... Non... Lunala. Qui c'est que c'est? Ce truc de Shizen. Aïe, 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 aïe. Non! Si! On va devoir en commander d'autres, hein. Je crois qu'on va passer par ça, hein. Je crois qu'on trouve qu'on ait quelque chose, quoi. On s'ouvre ça après ou... Ouais, ça va être long sinon, non? Putain, c'est épais, hein. Bon, ça va aller vite, ça. On ouvre maintenant? Ouais, ça va aller vite. Bah, tu veux quoi, vas-y. Choisis. Je m'en fous, moi, je prends une ténèbre embrasée. Et il y en a 5, en fait, t'as de la chance avec ça. Ouais, tiens. Voilà. Ouais, il y en a 5, hein, c'est ouf, ça fait... Bah, je pense que parce qu'ils se rattrapent du fait qu'il n'y ait que 4 cartes dans les boosters. Cartes, ouais. Mais bon, ça fait plaisir d'en ouvrir 5. Ouais, 15, pardon. On va faire simple. 1, 2, 3, 4. Ouais. On n'a jamais eu trop eu de chance sur ces collections, donc honnêtement, on s'attend à pas à grand-chose. Hein. C'est ça, la rare. Ah, c'était derrière, non? C'était lui. Ouais, c'est... Ouais, la rare, elle est sortie, alors. C'est ça, la rare. Non, ça, c'est l'holographique. La river, c'est la rare, ouais. Oh là là, c'est quoi ça, comme... C'est quoi, ça? De la merde. Ah, mais c'est machin, ça. Ténèbres embrasées. Moi, j'ai enchaîné, voilà. Je l'ai mis direct devant, la rare. Elle est là. C'est Monsieur Rim. Bon, on s'attend pas à grand-chose avec ça. J'ai le mort, quand même. Ah, j'ai le seum. En plus, c'est des cartes anglaises, quoi. En vrai, on fait pas collection. Moi, je mets la cinquième direct devant. Ouais, moi aussi. Je prends pas la tête. Là, il y a un Dracaufeu VMAX qui sort, ou un Pikachu VMAX. Non. Un vieux truc. Oh, je chante des trucs, là. Hein. Non. Ah, si. C'est magnifique. Bah, Charizard, mais c'est magnifique. Bah, attends, c'est magnifique. Ah, je la prends. Bah, bien sûr, attends. J'ai chanté une...
Bah attends. Une texture là. Ah mais tu vois, c'est un truc de ouf. En plus, elle est pas mal. Ah non, un peu là, mais. Mais après, tu sais. Comme par hasard, il parle de Dracaufeu, il sort le mec. Incroyable. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Tu l'avais gradé celle-ci? Ouais. C'est quoi? C'est. Ténèbres embrasées. Ouais. Je sais plus combien j'avais eu pour. T'as fini, il me reste celui-là, moi. Vas-y, let's go. Je pense que c'est la même chose. On a déjà ouvert quelques reines de glace, franchement, on a été grave déçus. Ouais, non, y a rien. Y a rien. Voilà. Une reverse classique. Bon, un ouf. En tout cas, merci pour votre participation. Merci aux abonnés qu'on a actuellement. On en a combien, Gog, les abonnés? Je sais pas. 580 peut-être. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est parce que on n'a pas pris beaucoup de temps pour faire des vidéos en ce moment. Ouais, et puis on n'est pas trop non plus dans le nombre, mais on est plus dans la qualité, hein. Ouais, le mec, c'est dit ça parce qu'il sait que ça marche pas du tout son truc. Son business, il a tout investi, le mec. Non, mais par contre, faudra qu'on fasse une vidéo sur surtout les PCA. Sur les PCA. On va vous faire voir tout ce qu'on a envoyé PCA avec plus de 40 cartes. Évidemment, et on va aussi préparer, je pense, un autre envoi. Ouais, parce qu'on a pas mal d'autres cartes aussi à faire grader, notamment peut-être les célébrations ici. Oui, on va regarder un peu parce que le but, c'est pas d'envoyer non plus des trucs où vous êtes sûr d'avoir une mauvaise note. Ou alors surtout d'avoir des cartes qui nous plaisent avant de les envoyer. Parce que les cartes qu'on a envoyées là, elles sont quasiment. Elles nous plaisent toutes. Enfin, moi en tout cas, toutes les cartes que j'ai envoyées, c'est des cartes qui me tiennent à cœur. Parce que c'est quand même une certaine somme. Bon, je sais plus, c'est dans les communs, dans les 10 euros minimum. Ouais, en vrai, c'est ça. Mais vous envoyez 40 cartes, ça vous fait déjà presque 400 euros. Donc, essayez de bien choisir vos cartes. C'est le seul conseil qu'on peut vous donner. Ouais. Et voilà, et soyez patients parce que PCA, bon, ils sont. J'ai envoyé au mois de mai, je les ai reçus au mois de décembre. Voilà, ça fait un cadeau de Noël. Donc ça fait. Faut être patient. 7 mois. Faut être patient, voilà. 7 mois de délai. La patience est la clé. Alors qu'ils m'annonçaient un mois voilà, et demi. C'est des mythos, de toute façon. Mais bon, c'est pas grave, au moins, ils sont protégés nos cartes. Faites attention, protégez-vous. Protégez vos cartes surtout. Protégez vos cartes. Avec Gab et Gog.